Aujourd'hui, vous êtes venu solliciter les pasteurs par mes maillots dans la magistrature suprême. Et après, où les pasteurs seront? Parce que, permettez-moi de vous le dire, mon papa, quand Kalelo n'est au moins depuis que vous étiez député, premier ministre, tout le monde déplace papa Sangisi, ma pasteur. Est-ce que ça a été pour nous qu'à ma foi, il y a ma pasteur, tout le monde dans l'église au passé, pour mon ami au Tikibiso? Nous avons des hommes politiques malhonnêtes. Si le Congo souffre, ce n'est pas qu'il manque de richesses, ce n'est pas question qu'il manque de ressources. Pas toi, mité, maman, paix. Nous passons au peuple, nous sollicitons la population. Lorsque nous partons, ma garde du corps, ma gomi, au continent de la loge, au Luki Banakwanganga, au commis Kozwana corruption, et les enfants de Dieu sont détruits. Est-ce que Yoko Sala Yamote? De suite, t'as épelé. Si même papa Sami Bali Bamazo qui pouvait avoir commis premier ministre, si les lots, est-ce que la Congo qui m'y est ça? Ma maman a dit sur l'Est, chaque fois, ma soeur ça l'a violée. Ma tuerie a tout le temps. Dans l'Est, il y a Congo. Dans l'Est, il y a Congo. Il y a Bélé. Il n'y a pas si elle est toujours malade. N'habitez, prochain niveau, papa Samia à Sanango, ce qui est le nom a commis président de la République, pour être l'Est et bénéficier d'un paiement condirable. La plupart de ma pasteur rébellé va renouveler dans l'Est parce que ma crime est qui m'a passé. Congo les panda. Oh. Congo les panda. Congo les panda. C'est toi qui m'a envoyé Congo. Jimmy a choqué. Azeli kanisi ya malamu pona kosepelisa bana mboka Congo. Congo lipanda. Azeli libango. Congo lipanda. Ningali. Pona kuyeba histoire ya Congo. Landa Congo lipanda.
Je ne vous retiendrai pas beaucoup. Je prendrai que peut-être 5 minutes pour débrayer le chemin à notre candidat présidentiel, notre frère, Samy Fatima. Que vous connaissez tous. Ben, je suis là, comme on vient de me présenter, je suis aussi candidat, comme les autres candidats, mais exceptionnellement, je suis aussi secrétaire d'État. Mais je voudrais vous dire une chose. Nous allons nous lever, tout d'abord, pour remercier notre Dieu. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié par la foi et nous disons Amen. Amen. Oui, ce soir. Bien-aimés, ce pouvoir, c'est quoi? De parler au nom de toutes les églises, au nom de l'église plutôt, et au nom des pasteurs. Le pasteur doit tout le pays comme un fonctionnaire. Travaillant, comme dans un service social. Vous voyez, un pasteur a dans son assemblée 500 membres, 1000 membres, 5000 membres. Et tous les 5000 sont derrière un seul homme. Et ils prennent l'éducation de ces seuls hommes. Vous voyez, mais si le pasteur ne l'est pas payé, comment le pasteur peut travailler avec sincérité? Le pasteur ne sait même pas s'acheter une voiture. Le pasteur ne sait pas donner de l'argent aux gens qui souffrent dans son église. Or, si le pasteur était payé, le pasteur ne mettra pas 5 paniers. Très bien. Vous voyez, le pasteur va respecter aussi son travail et respecter le peuple de Dieu qu'il dirige. Nous allons jusqu'au bout et nous prenons le pouvoir. Il y aura un changement tout d'abord du côté vraiment social. Les églises doivent être respectées, subventionnées. Parce que le pasteur, qui est un éducateur, va créer des églises, elle va créer plutôt des écoles, des dispensaires, des plantations avec l'argent des subventions. Voilà à peu près, en deux mots, ce que je voulais vous dire pour laisser le site social qui est vraiment son leitmotiv. Et Dieu bénisse le progressiste, Dieu bénisse les pasteurs, les hommes de Dieu et le peuple de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu et nous sommes tous nous porter. Ne votez pas, ne votez pas seulement parce qu'on vous donne 2000 francs, parce qu'on vous donne un boulot, mais votez plutôt avec votre esprit. Très bien. Un homme d'esprit vote en esprit. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, et particulièrement les hommes de Dieu. Je vais commencer par remercier Maman Honorine et l'apôtre Pierre, grâce à qui nous avons cette réunion d'aujourd'hui. Et avant de commencer mon adresse, permettez-moi de vous présenter mon épouse qui m'a accompagné aujourd'hui.
est en famille, il y a aussi ma fille qui m'a accompagné. Les pasteurs sont vraiment décidés à me poser des questions, mais ma question à la Bible était. Mais je suis un chrétien et je viens d'une famille chrétienne. Mon père jouait même au piano et à l'orgue dans l'église protestante. Et j'ai un frère aîné qui malheureusement nous a quittés, qui était aussi pasteur. Donc je suis vraiment d'une famille chrétienne. Mais aujourd'hui, je suis venu vous voir en tant que politique. Vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi est-ce que je me suis engagé en politique? J'ai 30 ans d'expérience aujourd'hui, l'expérience dans le privé. D'abord, en tant qu'entrepreneur, j'étais dans le business. Dans le domaine particulièrement des mines, j'ai beaucoup œuvré dans ce domaine, ce qui m'a permis d'aller à travers toute l'étendue du pays et de voir la misère qu'il y a dans ce pays. Après ça, comme vous savez, j'ai été député à l'Assemblée nationale, j'ai été président du groupe parlementaire UDPS pendant 5 ans, et ensuite je suis devenu Premier ministre. Et aujourd'hui, je représente le regroupement des progressistes. La souffrance que nous avons dans ce pays est un paradoxe incroyable. C'est un pays qui est vraiment riche, tout le monde le dit, ou du moins potentiellement riche, avec les ressources naturelles que vous connaissez, avec cette forêt et ce fleuve que tout le monde adore et dont tout le monde a besoin, le potentiel énergétique que nous avons, mais nous avons plus de 80% de pauvres dans notre pays. Pauvres, c'est-à-dire des personnes qui vivent avec moins d'un dollar par jour. Et pour notre pays, je pense qu'on pourrait même parler de moins de 50 centimes par jour. À titre d'exemple, est-ce que vous savez que suivant les statistiques, en 2019, la RDC comptera plus de pauvres que l'Inde, alors que l'Inde a 1,4 milliard d'habitants. 14 fois plus que le Congo, parce que nous ne sommes qu'à 90 millions d'habitants à peu près. Mais nous compterons plus de pauvres qu'en Inde. Donc, il est tout à fait clair qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre pays. Et ça fait des années que nous vivons dans cette situation. Une situation qui ne cesse de s'aggraver. Voilà pourquoi j'ai proposé un programme que nous avons appelé le changement pour tous. Le changement pour tous veut dire le changement pour vous, le changement pour chaque personne. Mais pour arriver à ce changement-là, ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas seulement un souhait, il faut trouver les moyens financiers pour pouvoir changer cet état des choses. Mais très peu pourront vous dire comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir éliminer cette pauvreté. Donc il y a le changement pour tous, il y a le financement du changement pour tous, et il y a les fondements du changement pour tous. De cette campagne. Nous allons proposer ce qu'on appelle généralement une allocation familiale. C'est-à-dire pouvoir remettre à chaque maman, dans un processus que nous avons appelé Sourna Libota,
$100 à chaque maman pour chaque famille pauvre. Les étudiants, nous pensons leur accorder une bourse d'études qui pourrait aller jusqu'à $150 par mois. Quand moi j'étais étudiant, j'ai fait la première année de droit au campus de Kinshasa, on touchait à l'époque 72 000 zaïres. On avait une bourse qui permet à certains d'entre nous de pouvoir payer leur transport et d'arriver jusqu'au campus. Nous avions à l'époque un restaurant dans ce campus qui coûtait vraiment moins cher. C'était une cantine qui était faite pour les étudiants et c'était une cantine sociale qui était subventionnée par l'État. Nous pensons qu'avec les moyens dont nous disposons, nous pouvons revenir à cet état des choses. Beaucoup d'entre vous avaient suivi le projet que j'avais lancé sur les maternités gratuites. Et il y en a certains d'entre vous qui me posent la question, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus cette maternité gratuite? Il y a ce qu'on appelle dans les institutions la continuité de l'État. C'est un projet que j'avais amené quand j'étais aux affaires. J'avais géré le pays sans budget. C'était ce qu'on appelle un crédit provisoire. C'est-à-dire que vous engagez les dépenses en fonction des recettes que vous avez avant de mettre un budget sur pied et pouvoir amener des réformes et avoir une projection sur les perspectives d'avenir. Et donc avec ce crédit provisoire, on avait démarré les paiements de ces maternités gratuites. Nous sommes allés par exemple à l'hôpital de Kitambo, à Mamayemo, à Kalembelembe, où nous avons sorti beaucoup de mamans et des enfants qui avaient même atteint 8 mois sans sortir de l'hôpital parce que ces mamans-là n'avaient pas les moyens de pouvoir payer les frais des maternités. Avant de quitter la primature, j'avais fait un budget qui devait être présenté au mois de mai, avant mon départ. Ce budget prévoyait 50 milliards francs congolais, soit 48 millions de dollars à l'époque, pour pouvoir financer ces maternités et les soins des enfants gratuitement, des enfants de moins de 5 ans. Et donc la question, vous devez la poser au gouvernement actuel, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas continué ce projet de maternité gratuite et des soins des enfants? Dans le processus, on commençait avec la ville de Kinshasa et continuait avec le Bas-Congo, ensuite le Bas-Doudou, pour atteindre le fin fond du pays. Malheureusement, le gouvernement actuel n'a pas continué avec le projet, mais la Banque mondiale a repris ce projet et est en train de financer les maternités gratuites et les soins des enfants, mais dans les coins les plus reculés du pays. Mais ce projet existe et continue avec la Banque mondiale dans les coins les plus reculés du pays. Nous avons eu aussi beaucoup de difficultés sur le plan humanitaire avec les pluies diluviennes que nous avons connues au Bas-Congo, à Kinshasa, dans le Kasaï, avec les troubles qu'il y a eu dans le Kasaï avec le Kamanyansambou. C'est une force publique. Ma préoccupation est celle-ci. C'est vrai que Toyoki Papa, tout le monde a dit au pétan, vous allez dire mon conseil, qu'on va dans l'Assemblée générale, titan au comité premier ministre. Donc, on est en accord avec ça, puisque vous avez quand même l'exemple, tout le monde a écouté une source. Mais le problème, dans ma casse, c'est que c'est un peu comme depuis, nous avons fonctionné à l'État. En dehors de mon salaire, nous avons infirmière de profession. Étant que fonctionnaire à l'État et le président de l'Arabie passe, nous avons besoin de soutenir le collaborateur à l'âme de l'Arabie. Dès le départ, pour le bâti, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps.
Et ce que nous, Bishop Pedro, nous souhaitons dans mon cannabis, un jour, Moga Oyo, un fils de Dieu de a régné à Konza. Comme ça, vérité, Oye, bon maman qui, Zamba Bimisango, Peto Kine, tout à la malade. Mais pas si Nanga est un des Yangoy, papa. Est-ce que cette fois-ci, ce qui te dit qu'il y a au Kéi, on résoudre quand même le problème à vos fonctionnaires? Pourquoi na lobi bongo? Depuis na temps ya mosito, ba fonctionnaire bazo soa $100 na équivalent à 92 000. Jusqu'à présent, problème wana et continue na kaka. Totika la koyoka te ke place moko boye même atende ke kolasaka budget na bino totala ka bino. Maintenant nous toyoka te bo résoudre situation wana. Et na ineti ndenge na za boye. Na futa kanda, na futa la baba na classe, il faut pas na balia, il faut économiser. Et na kwa lozo futa, ozo futa par exemple, na kuna $100, mais yo $100, ozo zo amon 92 000, entre temps, ozo paye tant sous son a $220. Ce qu'on calcule, comment qu'on résout le problème en da. Et en deuxième lieu, problème sous les aïe amoui. C'est vrai, l'église, il y a corps du Christ et Télémine à Congo. Donc c'est permis parce que cette fois-ci, vos pestifs sont à personnalité juridique. Donc c'est permis à mot. Mais Valère, au Yopino, au Solo, Manilo, est-ce que réellement vous pouvez s'habiller sur Yango? Puisque Bassan n'a jamais pas comme un bloc au Mongo Pamba. C'est vrai, Marcoulin m'a dit, il 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 m'a. Mais du moins, il y a des gens vraiment honnêtes. Est-ce que réellement, vous pouvez me dire que vous pouvez aider le pasteur? Or, dans le temps où vous avez des documents, vous avez le droit à l'État de prendre soin de la salle dans les années. Est-ce que réellement, cette fois-ci, ce qui est fait, c'est que vous êtes là? Vous pouvez me dire que vous êtes là? Merci. Je suis un fonctionnaire placé dans l'humanité. Aujourd'hui, vous êtes venu solliciter les pasteurs par mes maillots dans la magistrature suprême. Et après, où les pasteurs seront? Parce que, permettez-moi de vous le dire, mon papa, quand Kalelo n'est au moins, quand Kalelo n'a pas au moins, n'a qu'à savoir. Depuis que vous étiez député, premier ministre, de moins de place, papa, ça existe, ma pasteur. Est-ce que ça, quand vous êtes pour nous, quand vous voyez, ma pasteur, tout le monde, l'église, au passé, pour mon ami, au tiki, bisson? Ou bien il y a autre chose derrière ça? Où c'est la vérité? Et puis, troisièmement, mon papa, le Congo souffre, ce n'est pour nous, les pasteurs. Moi j'aimerais que tout y ait accent et à prière parce que les hommes politiques ne sont pas réduits au Congo, papa. Nous avons des hommes politiques malhonnêtes. Si le Congo souffre, ce n'est pas qu'il manque de richesses, ce n'est pas question qu'il manque de ressources. Par toi, Mité, Mamabé, nous passons au peuple, nous sollicitons la population. Lorsque nous partons, ma garde du corps m'a commis, au continent à ma loge, au Lukibana Kwanganga, au commis Kozana corruption, et les enfants de Dieu sont détruits. Est-ce que Yoko Sala Yamote, papa Badiban, les lots sont au commis à sommet de l'État? Est-ce qu'on peut maintenir la Kazambo et Yoko Luka? On peut maintenir la Lusobassin la Zambi? Parce qu'on dit que la charité, on commence par soi-même. Depuis le président Kabila, dis-le-le. Tomoni Moutoumo a créé une entreprise engagée 5 000 jeunes mamans. Ma maman veut finir ça, les athées. Le nom de Benganaba, le nom de pauvreté, la rate à l'église, parce que vous voyez bien. Et elle aime bien Kamisa, les athées, parce que vous voyez bien.
J'avais reçu tous les secrétaires généraux, il y avait différents ministères et la fonction publique. Nous avons eu une grande discussion avec eux. On a eu deux ou trois séances, je pense même. Et Nasukanamo, Memo Mopet Bimaki, Oetikala, et Salaki Kotoko Bako inclure Yango, Nakati a budget, Oetikito Bimisa, Namoi le mai. Ceci étant, la carte à programme la mission, parce que tout à l'heure, on a perçu une la synthèse. Moyenne à l'obamanamino, surtout il y a un programme, mais il y a des malaxibino, pour les gens qui si je dois en parler, ton compte est sans toi. Et donc, le budget automata qui est en place, tu prévoyais d'abord 10% il y a augmentation, il y a un bas salaire. C'était un processus pour comprendre l'Igolo. Si vous avez un programme, la mission, que dans 5 ans, vous ne pas atteindre le salaire minimum, nous tournions sur le plus bas salaire et à la 250 dollars. Mais comment faire pour comprendre le résultat? Il y a moi dans la mobilisation, il y a la recette. Pour diminuer le coût de la douane, la recette de serait à la taux unique, taux à 10%. Mais l'union soit à que ceux qui ont gagné 1000 dollars, il faut ajouter 100 dollars à la douane. Comme impôt. De telle sorte que corruption est à la dissoute. Bon, mais on imagine la corruption. Douane, il y a ça a trop cher parce que douane est à l'envoi de qui m'accasse. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus, il y a des réformes qu'il faut faire pour l'État pour avoir besoin de bon à la caisse naïe et bon à vous foutre à bateau. Malade. Ce qui est le point de salamité, corruption est continuée, vous avez vu corruption, il y a la justice.
Vous avez corruption, ni y a un niveau, il y a la régie financière, et il y a la douane, il y a la DG, etc. Il y a une contente dans la fonction, il y a la mais il n'y a pas maintenant sur les arbres, le coulage, il y a la recette, l'aimé, la paix, la caillambo, la recette, il y a les arbres, il y a la caisse, il y a l'état. Voter en chrétienté. Vous avez vu, vous avez vu, non? Réponse à moi, et moi. Il faut beaucoup élire Bato Oyo, Bako qui ont participé à la souffrance et à peuple, pour s'occuper de la population. Question que je vais aller à moi, je vais ou à l'Obaki, à l'Obaki, malhonnêteté à ma politicien. C'est vrai que ma politicien est bélé dans sa malhonnête. Mais faute à la faute à la vie, non? Qui parle de la politique de Bonanini. Donc, dans la politique, quand on a élection, ceux qui politiciens se comportaient dans le terrain, on a monté. Mais battez le pavé pour que les gens aient la manifestation. Pourquoi vous autres dites que la mort est un politicien? Pardon? Mais quand il faut dire que la santé, il dépense. Pas pour qu'il en a pas gaz. Est-ce que les gens ont un pilote? Le 19 janvier 2015, nous avons organisé une manifestation dans les Banatis et même avec le 25, au Vatican, il y a un recensement. Bon, on a un gaz de la télévision. Quand on a un téléphone, on a un canal. Mais il faut se battre pour la droite de Bino. Mais Bino, politicien, à côté de Bino, aux hommes qui n'ont pas de problème. La belle manifestation, l'homme, c'est la qualité. Quand la politicien, la maman, on va se faire. Mais il faut que l'on soit battu. Le problème, on a fait la vie, c'est que l'on a un jeune. Ma jeune, ma tala, il y a la politique, ma participation. Or, en 2015, parmi ma grève, la même à la CENI, pour la baba de la fichier électorale, il y avait un problème, il y a bateau, il y a un nouveau majeur. C'est-à-dire, ma jeune, au Pakoukissa qui 18 ans. Sauf à taille, il y a un fichier électoral. Dans la liste, il y a un enrôlé. Ma nouveau majeur, voilà. C'est-à-dire entre 18 et 23 ans, soit compté pendant 5 ans, il représente 31% de l'électorat. 31%. Mais quand on a l'Assemblée nationale, le Parlement, on a la suivi la chaîne Bazar Mounabou. Parce que pour y arrêter, vous avez dit que la mafie va voter. Je ne sais pas. Pas pour voter entre les marmots. Non, d'abord les Cambodgiens salaires, j'ai parlé de 250 dollars comme SMIC, c'est-à-dire salaire minimum. Pour ceux qui sont des jeunes, pour l'entreprise, pour autant qu'à mon enquête, il y a un document, les appels sur Internet, nous avons prévu un fonds de 1 milliard de dollars. Qui va commencer avec un financement à l'État de 250 millions de dollars. Bazo Benga Togo Bengayango, Fonds communautaire entreprise jeunesse. Et ça, pour nous aider, la jeune Nyonso Bazab entrepreneur, va obtenir un crédit de 5 000 à 50 000 dollars. Le crédit, on a un gros de crédit d'honneur. C'est-à-dire qu'il y a un crédit Moro, Sokozu Yango, va faire 6 mois de grâce avant qu'on va pour rembourser. Et le taux d'intérêt à Mounango est qu'on va fixer par ce qu'on appelle le taux Libor plus 2. Taux Libor est un taux international où on va faire ça et on va entre 2 et 2,5% plus 2, c'est-à-dire que le crédit sera remboursé à un taux d'intérêt de 4 à 4,5%. Or, les lots sont requis dans ma banque, la mission crédit est à 22% de taux d'intérêt. Donc, beaucoup dans mon acte de document, c'est prévu pour les jeunes
Parce que l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Le présent du pays, c'est la jeunesse. Donc il faut vraiment vous occuper. La question concernant les militaires. D'abord par la question sécuritaire. Effectivement, même question sécuritaire, ils allaient traiter dans le cadre d'un projet Nabusso. L'une des premières décisions qui sera prise, ce qui m'a capoyé, madame, état-major général, il faut le Mwanakinshasa. Chef d'état-major chargé des opérations, il faut avoir dans la Goma. Mako, vous allez support. Il faut pas se rapprocher dans la zone où il y a un problème. Un problème où on a chargé à renseignement militaire. Il faut pas qu'il y ait Goma. Parce que renseignement militaire, il faut travailler jusqu'au fond. Parce que nous avons l'impression qu'il y a des complicités, même dans la Katia. Et donc, il ne faut pas mener une enquête. Bah, en contact avec la population, pour la population, on a montré réellement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire pour aborder les problèmes. Mais donc, souvent, à un niveau, il y a l'armée, la sécurité. Il faut lancer une diplomatie tous azimuts, sur le plan bilatéral comme sur le plan multilatéral. Il faut que Solonana, ma présidente, nous soyons un pays voisin. Nous avons 9 pays voisins. Il n'est pas normal que Rwanda, à côté de la Bisso, que Braza, à Bengala, à Bara, à Bisso, à Tata, à Bisso, à Negora, à Bisso, que Angola, à Bengala, à Bango, fait la même chose. Il faut que nous soyons Solonana, à Bango, à la Bisso, à Toyoka, à Toyema, qu'est-ce qui ne va pas. Et en dernier lieu, il faut que vous créez au Babengaka une plaque tournante d'intérêt commun. C'est-à-dire, entre l'Ouganda et le Congo, il faut une zone d'intérêt Mokoïsana. Parce que le Congo est même capé que dit tomber à la tête, et ça y est à partir du moment où l'intérêt est aligné. Même dans Katia Batu. Ceux qui les ont mal mis notre sang a intérêt à les camboyer comme ça. Moi, je trouve ça néanmoins parce que ton mental il a toujours intérêt à plus souvent et donc pour continuer nous ça. Et nous avons beaucoup de zones d'intérêt. La frontière, la mission de la délimiter est encore. Pardon, les arabes clairs. Nous pouvons prendre l'exemple de l'Ouganda, la lac, Albert pétrole le Bakuta, la Katia, la Bona. Nous avons eu Uganda, mais sous ce nom, il y a le Congo. Mais maintenant, ce qu'on a mis en place, là, il y a le moyen de faire ça, pétrole ou la Kuna pour exporter un peu les alités. Nous serons obligés d'utiliser le pipeline au Uganda, pour l'exportation du pétrole. Et c'est ça, les zones d'intérêt. Burundi, Rwanda, parce qu'on a besoin d'énergie, la mission électrique. Toi, quand on a Ruzizi, ils allaient couper sa courant à Rwanda, na Burundi. Ils sont tous les zones d'intérêt qui doivent être mises en place pour permettre à ce qui est la calmer dans le pays. Donc, les trois points, la sécurité au niveau militaire, le renseignement militaire, la diplomatie, tous azimuts et les hommes d'intérêt. Merci, merci, merci à Dieu. Merci à Thierry, une prière. On fait en ce lieu. Seigneur, tel que tu dis dans ta parole, c'est que nous avons lu sur terre, tu lis au ciel. Laisse que cela soit accompli. Cette œuvre qui a commencé, telle que toute personne qui a contribué à cette œuvre, Seigneur, que ta main puisse le visiter encore. Mwana mboka sami badi banga ntita alobeli biso lelo par rapport à projet de société où il y a Nango lelo.
et puis à Pessiningi Zanenga à Kopesa Mokolo Tolelo, la présidentielle. Moi, je suis Sami Badi Bangato, comme la souka par rapport à l'intervention à Lelo. Point de vue. Bah cela va gozo place na bango ce qui est difficile et telemi nzambe akumama et place Angela Bino. Ciao. Bonsoir. Bonsoir. Donc comme nasuka par rapport ya programme de ya société oyo pour présenter peuple congolais lelo impression non d'abord Zani. Et ça vraiment l'équipe malamu parce que ezaki détaillé hein ezaki balimboli yango penza na ndenge moko que mutune soso a yeba. Tina ya candidature tina ya mosala oyoyo eliko salama na mikoloko ya soki bokonzi yango ezwami na maboko na biso. Qu'est-ce que vous avez aimé de particulier dans le programme Mwana Mboka Sami Badibang? Côté social nde sa base ya nini ezali baromètre ya pays moko ya pays ya nation soki social ezali bien. Nde bayeba ke mboka wana eza bien eza na ba richesse et bato bazo sala musala ba bato eza kozala pe élevé parce que misère kozala te. Mieux vaut que bato bazala na ba moyen que ba pauvre bazala mingi wana soki ke eza na inverse ya valeur et eli koloba ke pays wana. Ils allaient pays moko oyo, ils allaient classer parmi les pays pauvres au monde, comme le cas y a Congo lelo. Tu as qui tu auras qui une introduction na yo, au lobby aux autres qui est dans l'hémicycle pour la redéfendre bah homme dédié. Est-ce que le lobby bah homme dédié bah sacrificateur en termes le coup là yo bah quoi croire na yo? Bah quoi croire n'angai parce que Bible n'est pas des autres bayango. Au moni na remarqué awawa na mboka oyo y a biso. Batu mingi batanga kana bango Bible te. Basa basala na Nzambe me batanga ka Bible te. Il faut batanga Bible. Na kati na Bible to zana 5 ministères. Na kati parmi ba ministère wana ezana ministère ya gouvernance. Tokotala nani Joseph akoma ka premier ministre. Tokotala Daniel akoma ka premier ministre. Tokotala David azala ka roi. Tokotala Salomon azala ka roi. Tokotala Ezekias azala ka roi. Donc, ce qui le loyo tolobi ke no, mosal na nzambe, mboko eza ya yete, mboko eza ya na likolo eza na mapata, et pas ya nzambe. Donc, on va vivre na réalité ya Bible te. Merci. Congo Lipanda. Oh, Congo Lipanda. Congo Lipanda. C'est toi et pas namuka Congo. Chuki azili kanisi ya malamu pona kosepelisa bana mboka Congo. Congo Lipanda asalili bango Congo Lipanda ninga pona kuyeba historia ya Congo landa Congo Lipanda.